Hop, 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 hop. Wow. Wow. D'accord. Tranquille mec, tranquille. Eh oh, c'est vert, on se réveille là. Oh là là. On se réveille. Putain mais réveille-toi meuf. Oh là là. Oh les gamins mais ils sont suicidaires. Hein. Ah bah super la police. Belle anticipation. Waouh. Ouais, c'est vrai que là, il a abusé là. Comme je dis souvent, tout ça pour se retrouver au rouge juste là. Enfin franchement pas utile. Hein. Ah le gars là, tu lui as fait un truc sale quand même. Salut. Waouh, qu'est-ce qu'il est beau lui. Ouf. Je passe rarement dans la rue. Ouais, il est sublimissime ce... cet immeuble en pierre de taille. D'accord, ok. Ok, ok. Quoi. Complètement à l'ouest. Oh putain, le retour qu'elle vient d'envoyer devant la police. Là, c'est de ma faute là, j'ai mal calculé mon coup. Je me suis un peu trop décalé sur la gauche, je me suis excusé. Ça pour se retrouver bloqué en plus dans les embouteillages quoi, les grilles de stop pour rien. Ah mais frérot, fais attention. Alors ça c'est une bonne question là, qui est en tort, punaise. Bon, le fait qu'il roule à une main, bon, c'est pas terrible, mais mine de rien il y a une priorité à droite là, et vu qu'il a le droit d'être dans cette rue, il a le droit de la prendre à contresens, il y a une petite voie pour vélo. Là, franchement, je suis un peu perdu là. Donc logiquement, s'il a le droit d'être là, la règle de la priorité de la droite s'applique et donc c'est à moi de le laisser passer. Oh punaise, je suis perdu avec cette histoire de les vélos qui puissent arriver en contresens d'un sens interdit. Il faudrait que je demande à mon professeur d'auto-école. Peut-être quelqu'un sait, hein, peut-être quelqu'un va me dire que c'est moi qui aurais dû le laisser passer. Et dans ces cas-là, bah, je m'excuserai bien entendu, mais bon, c'est un peu complexe vraiment. C'est pas déjà rencontré? On s'est pas déjà croisé, non? J'ai rencontré la même... Charles Hubert. Charles Hubert de la Rochechouart. Ah oui, mais vraiment, n'importe quoi. Hein. Il est vraiment dans son monde, lui. Ah, on a un casse-couille, là. Il a décidé de me dire bonjour alors tout à l'heure il est passé comme un ouf. Dans cette situation, la voiture, bien forcément, il fallait qu'elle me laisse la priorité à droite, mais après je pense que j'aurais dû laisser passer le bus. Si je m'en rappelle bien, c'est un petit peu. Bon, c'est un peu vicieux. Ah non, il tournait à droite. Je sais pas, je crois que normalement j'aurais quand même dû laisser passer le bus vu que c'est lui qui est la priorité à droite à partir du moment où je me suis avancé. C'est un contexte un petit peu difficile. Bon après je suis en moto, je prends pas de place, je vais vite, c'est sûrement pour ça qu'il m'a laissé passer, d'ailleurs je lui ai dit merci.
Merci aux Parisiens qui se décalent gentiment, c'est super gentil. Oh putain, mais je regardais à gauche. Aïe 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 aïe. Hop 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 hop. Ah. Ok. C'est bien. Elle traverse n'importe comment et elle traîne une chaise roulante, elle prépare son futur. C'est bien, c'est important de penser à l'avance, à anticiper. C'est une blague ou il tient son bébé Ah non, c'est vide. Alors là, oh, finesse. J'aurais vu un gamin là-dedans. Alors là, mais c'est bon, quoi. L'humanité est terminée, quoi. Par contre, on notifie quand même cette personne-là, cette madame, qui s'est bien arrêtée. Bravo à elle. Oula, il y a la police qui arrête les scooters. Ah, qui arrête les scooters qui sont sur la voie de bus, je pense. Le seul qui y va, c'est le taxi, quoi. Ouais. Quand je vois des véhicules arriver un petit peu rapide comme ça, je tente pas le coup, quoi. Je préfère freiner au cas où parce que. Ouf. Ok. Je sais pas ce qu'ils ont foutu place du Trocadéro là, mais ils ont fait le rond-point en double sens. Pouah les gars, mais c'est devenu un dawa. Et là encore, il n'y a pas trop de monde, hein, ça va, mais j'y repasserai en rush hour. Oh, c'est impressionnant. Et puis là, il y a un feu. Alors là, ils font tout pour nous ralentir. Tout pour. D'accord, ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi qu'on peut faire. Hein. Surtout que je vais à gauche, moi. Ouais. Ah oui, donc ça veut dire qu'il faut que j'aille là-bas pour pouvoir tourner à gauche. Bon, c'est n'importe quoi. Tout le monde est perdu. Personne ne comprend. Seul un Indiago comprend ce qu'ils font là. Donc là, moi, pour tourner à gauche, parce que. Attends. Ouais, c'est ça. Bah non, je peux pas. Ah si, je peux. Je sais pas. Oh, c'est un bordel. Waouh. Je l'ai vu marcher la petite dame et elle me fait peur là. J'ai préféré freiner parce que. Sachant que j'avais personne derrière moi. Il n'y a rien de choquant. Voilà, on a l'archétype du petit con. Avec son Kimco là, qui prend la place d'une voiture parce qu'il se gare à l'horizontale par rapport à la. Voilà, magnifique ça. Tu prends la place de 1, 2, 3. Ouais, 3 motos. Facile. Wow, il y a une piscine à côté. Ah, il y en a qui montent à cheval là, sous ce temps-là. Oh là, j'aimerais pas ça. Oh là 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 là. Oh que non. J'adore l'équitation, mais là. Wow. Il pleut, il vente, il pleut, il vente. Il vente, il pleut. Ce n'est pas pour moi. J'ai vendu dans cette résidence il y a quelques années au deuxième étage, là, le balcon filant. Et c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas pris contact avec les propriétaires. Ça m'y fait penser. Toujours reprendre contact avec les propriétaires. Une ou deux fois par an, si possible. Sur le long terme, ça motive à rappeler ton agent immobilier.